son onction. Je sens déjà son onction. Car la puissance de Dieu descend. Car la puissance de Dieu descend. Des ennemis, plein de fruits de ta vie. Car la puissance de Dieu descend. Tes ennemis deviennent tes amis. Le bonheur t'accompagne. La grâce t'accompagne. La joie t'accompagne. La faveur t'accompagne. L'élévation t'accompagne. La puissance t'accompagne. L'argent devient ton esclave. Car la puissance de Dieu descend. Il y a la confusion dans le monde. Parce qu'une personne comme toi, les gens ne le sont pas attendus. Ils ne se sont pas attendus. Que tu le es là. Mais par la suite, voilà des raisons de fou. Tu deviendras un sujet de gloire, un sujet de causerie, un sujet de discussion dans les hôtels, dans les salons de coiffure. On ne parlera que de toi. Dans les radios, on ne parlera que de toi. Dans les films, on ne parlera que de toi. Les gens t'aimeront. Les noms de leurs enfants, ton propre nom, ils les appelleront avec tes enfants, par ton nom, parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous laisser comme nous sommes, mais pour nous transformer. Sa puissance, c'est la puissance de la création, c'est la puissance de la création. Ça crée là où il est, là où il est, son arrière. La Bible me dit, il appelle de l'inexistence, une chose à l'existence, comme si la chose existait, comme si la chose existait. Si la chose existait, il appelle de l'inexistence une chose comme si les choses existaient. Il est la puissance de la domination. Là où tu étais dominé, l'onction va dominer. Tu vas dominer tes ennemis. Tu vas dominer la maladie. Tu vas dominer l'échec. Tu vas dominer la jalousie. Tu vas dominer la stérilité. Tu vas dominer la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. C'est l'onction de la résurrection. Là où les choses étaient mortes, il y aura la vie de Dieu. Il y aura l'abondance de Dieu. Il y aura la vie qui va commencer à se manifester. Là où il n'y a plus d'espoir, le Seigneur te donne l'espoir. Il te donne une deuxième chance. Si hier ton mari t'a quitté, aujourd'hui le mari viendra. Il te donnera une autre femme, un autre homme. Pour la gloire de son nom, il va ressusciter ta destinée. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Peu importe, le temps que tu as passé dans le tombeau, Jésus aussi était passé dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la résurrection. Il y avait un premier jour, un deuxième jour, mais ce soir, c'est le troisième jour. Tu es en tant que résurrection. Tu es en tant que résurrection. La résurrection de tes affaires. La résurrection de ton mariage, la résurrection de ton ministère, par l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, c'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais par mon esprit. Dans quelques instants, le Saint-Esprit va descendre. L'esprit puissant de vous, par attention les deux moments. Le Saint-Esprit va vous visiter maintenant. Le Saint-Esprit va commencer à toucher les gens. Dieu veut visiter chacun dans son problème. Dieu veut toucher chacun dans Dieu. Si c'est le travail, si c'est le mari, si ce sont les enfants. Pendant que je passe, tous les gens sont dans le dérangé. Dieu va vous visiter pour les fois, voilà. Voilà le voix de Dieu. Voilà le voix de Dieu. Voilà le voix de Dieu qui descend. Le voix de Dieu qui descend. Il y a le voix de Dieu. Peu importe ton problème. Peu importe ton problème. Le Saint-Esprit va toucher chacun maintenant. Soyez prudents. Je ne sais pas à qui je parle. Je me parle derrière. Je ne veux pas qui. Je ne sais pas à qui je parle. Mais le Saint-Esprit va toucher des gens. Je ne sais pas à qui je parle. Le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, recevez le Saint-Esprit. Voilà.
veux toucher les gens. Toi qui me regardes, passe là devant, je te trouve devant toi. Va devant. Le Seigneur t'a fait le toucher. Pour tout ce qui est ici. Venez ici. Le Seigneur veut libérer le fils. Quelqu'un va là, ici, il sera guéri. Ici même. Le Seigneur. Amenez-moi cette fille qui est ici. Viens, viens ici. Viens. Viens. Ah, voilà, voilà. Voilà l'option de Dieu. Il y a une force de Dieu qui descend ici. Voilà. Voilà Dieu la délivre maintenant. Voilà. Voilà. Seigneur, je vais faire. Seigneur, viens ici. Viens ici. Je t'aime beaucoup. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. C'était pour toi que Seigneur, je suis ici. Je savais, je savais. Il m'a dit hier. Yeah. Il m'a dit hier. Sois. Je t'ai dit. Yeah. Seigneur, j'ai vu ça. Il n'est pas mon Jésus. Seigneur, j'ai dit d'abord. Allez, je vais la briser maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis pour toujours. Voilà l'onction de Dieu. Voilà l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Les puissances sataniques vont vous quitter. Ne fermez pas votre cœur, ouvrez votre esprit à Dieu. Des gens vont pousser les cris. Les autres vont recevoir le Saint-Esprit pendant que je parle. Et ça sera très fort. Seulement avec mon Dieu, celui qui te visite ce soir, il te visite pour te sauver. Attention à la salle, Dieu, il est force à parler. Pendant que je parle, je vois un esprit de mort qui libère ta vie et celle de ta famille. Se
ce qui se passe dans la salle. Dieu va toucher tout le monde aujourd'hui. Dieu de gloire, éteins ta main. Manifeste ton action, Seigneur. Je vois la salle de Dieu se faire. Et tu me fais des grandes choses avec lui. Et ta main de lui. C'est très puissant. Maintenant, le Saint-Esprit va vous servir par là.
fête et il vous donne des grandes entreprises, des grandes boutiques et des magasins à le recevoir. Voilà la puissance de Dieu sur elle. Voilà la puissance de Dieu qui descend sur elle. C'est très fort. C'est très fort. Amenez-la, amenez-la devant. Protocole, prenez-la. Tous les gens pour lesquels je suis en train de parler maintenant. Si l'esprit s'est dit, quelqu'un amenez-la. Tu avais beaucoup d'argent, mais maintenant tu n'as rien. L'esprit de Dieu amène la richesse dans ta vie. Tu as tout perdu. Voilà, voilà, voilà. Ça va te toucher là où tu es. Voilà, amène-la, amène-la, amène-la. Je l'ai saisi maintenant. De Dieu. Tu as perdu tout ce que tu avais. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, c'est ton jour. Ah, voilà. 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 Voilà l'option. C'est très fort pour elle. C'est trop fort. Le bébé ne regarde pas le. J'ai mis la foi en toi. Et une force est descendue de moi. Tu ne perdras plus rien. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Je suis guéri. Recevez votre guérison. Je suis guéri. Recevez votre guérison. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Keita Anna. Vraiment, depuis le séminaire de l'homme de Dieu, j'ai vraiment été visitée. Parce que c'est pas, j'avais été visitée en partie, mais tout le domaine de ma vie a été visité. Déjà le mercredi, comme ça, quand il venait, en tout cas, je ne venais pas pour une visitation de guérison. Mais j'ai été surpris que lorsqu'il disait, vous qui êtes malade, touchez là où vous avez le mal. J'ai touché mes yeux parce que depuis ma naissance, j'avais des maux d'yeux. Et ça a commencé à s'empirer lorsque j'étais dans cette période où je passais l'examen. J'ai touché comme ça par la foi et j'étais surprise de voir que lorsque je touchais, c'était comme si quelque chose de violent quittait sous mes yeux. Et là, bon, je n'étais pas encore convaincue, mais je me suis dit non, peut-être c'est quelque chose comme ça. Donc le lendemain, je suis partie chez l'ophtalmologue. Il y avait déjà un auparavant qui avait dit qu'il refusait de me prescrire les verres. Mais l'autre, quand on est parti, il m'a prescrit les verres. Il dit non, ça va. Ça va. Il dit ça va là, il dit, je suis arrivée à la maison, mais d'habitude ça me gratte. Donc je voulais provoquer le fait que ça me gratte. J'ai essayé une fois, ça ne vient pas, deux fois, ça ne vient pas. Il dit, c'est que ça, en tout cas, j'ai été guérie. Et puis je voyais plus flou comme d'habitude. Elle dit, au environ de midi, 7h comme ça, quand le soleil sort, je ne voyais plus. Mais nettement, le lendemain, le soir, je voyais de manière claire. Ça, c'était le premier miracle que Dieu a fait de ma vie. Et puis, c'est bon, pas arrêter là. Le jeudi, comme ça, à chaque fois que l'homme de Dieu parlait, je voyais les choses. Bon, c'est comme si je les voyais aussi dans mon esprit. Quand il disait, par exemple, que les anges descendaient, avant même qu'il dise ça, je voyais déjà 4 personnes. C'était vraiment grand. Revêtu de blanc, vraiment le blanc là, je ne peux pas dire c'est. En tout cas, c'était un blanc même. Revêtu de blanc, mais aux quatre coins du mur de l'église.
vraiment, ils m'ont tellement frappé à l'œil, je n'ai pas pu les regarder encore. Et c'est comme ça le dimanche. En principe, je ne devais pas faire le deuxième culte. Je devais partir à une répétition. Mon responsable m'a dit de rester. Et quand je suis restée comme ça, vraiment, on a commencé à danser. On dansait, on dansait. Et tout d'un coup, j'ai vu le feu qui commençait à descendre. De manière, genre, ça sortait des fessiers du toit. Ça descendait, ça descendait, ça descendait. Ça prenait des gens, ça prenait des gens, ça prenait des gens. Parce que ça arrivait, moi, que ça arrivait vraiment, vraiment, je ne pouvais pas supporter. Un grand feu. Un feu même immense a commencé à me prendre de la tête jusqu'au pied. Je n'arrivais pas vraiment à me contrôler. Et juste après, c'était comme un vent qui passait. Et le vent est passé comme ça. Ça a baissé le feu qui m'embrasait. Je me suis sentie à l'aise. Si c'est pas encore fini là, parce que j'étais assise. Mais j'avais l'impression que lorsque tu es sous la pluie et que tu sors, je ne te protège pas, tu commences à avoir froid. Tu as commencé à grêloter, à avoir froid, vraiment, je ne comprenais pas. J'ai même demandé à une de mes soeurs qui était à côté, est-ce que tu as froid? Elle m'a dit non, elle n'a pas froid. Elle dit, d'accord. Donc, j'ai senti au moins une fraîcheur. Et lorsqu'il a dit la pluie, le Dieu descend, c'était comme si des gouttes descendaient sur moi. Vraiment, tout au long de son séminaire, j'ai été visitée totalement, visitée sur tous les plans. Et en plus de cette visitation-là, de la guérison, il a aussi réveillé en moi mon premier amour. Et des choses qui m'avaient longtemps été endormies au moins ont été réveillées. Oui. Vraiment, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce qu'il est venu vraiment bouleverser la vie des jeunes, des autres, et particulièrement ma vie. Donc c'était mon témoignage de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. De laquelle est-ce? Avec l'évangélisation, par rapport à ce programme, avant ce samedi, moi je n'ai jamais eu d'anémie depuis que je suis née. Mais avant ce samedi, j'étais faible. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que c'est le palu. Donc j'ai traité le palu. Le palu est fini, je suis faible. Je marche, j'ai le vertige. Mes enfants peuvent témoigner. C'est sur mon petit là que je m'appuie quand je marche avec lui. Et puis c'est comme si je veux tomber. Quand je suis seule, je m'arrête, j'attrape les choses et je marche. Après, je me suis dit que peut-être que c'est la tension. Je vais aller, ils vont vérifier. Je vais, on me consulte. Je n'ai pas la tension, la tension est normale. Ils continuent la consultation, ils trouvent que j'ai l'anémie. Le samedi, le jour de l'évangélisation, je n'ai pas voulu rester à la maison. J'ai dit au Seigneur que moi, je vais aller évangéliser. Donc, on me dit, toi, tu es sûr que tu pourras aller évangéliser. Non, pas, mais dis, toi, tu ne peux pas tenir sur tes pieds. Tu veux tomber, tu dois aller évangéliser. Je dis, je vais partir au nom de Jésus. Et je suis arrivée en retard. Et puis, j'étais blessée, j'étais vraiment faible. J'étais faible, vraiment, sérieusement. Il y a quelques évangélistes qui savent ça. J'ai évangélisé tout seul à la maison, mais dans la nuit, là, j'ai pleuré devant le Seigneur. Il dit, anémie qui est venue là, anémie est mal arrivée. Parce que l'homme de Dieu va venir avec toute l'onction, et puis l'ennemi va fuir. Donc moi, il faut que je guérisse, Seigneur, pour enlever la maladie dans moi. Je pleurais. On est venu le jeudi, l'homme de Dieu a prié. Hier vendredi, autant pour moi, hier, c'est jeudi, hier, j'étais assise là, et puis il a prié sur l'eau. Il a aspergé l'eau. Il y a deux gouttelettes d'eau qui m'ont touché, petit comme ça, petit doigt, et puis un peu sur mon pied. Et puis j'ai reçu pour moi, je serai guéri. C'est sincère, hein? J'étais là. Et puis après, il dit de lever les mains, le feu va descendre, de crier. Quand il va dire feu, il a dit descends sur moi. J'ai crié plus fort que tout le monde. Alléluia. Descendu dans mes mains, vraiment. Au milieu, le feu est descendu. Je n'ai pas trop d'état, je n'ai pas pris aujourd'hui. Soyez concentrés. Et puis, quand on a terminé, on était assis. Maintenant, on va rentrer en bas de mes pieds. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai senti des choses entrer à partir de mes pieds en moi. Et puis, je fais ça. Je fais ça. Quand j'arrête de faire ça, de frotter mon pied au sol,
ça recommence. Là, c'est une guérison qui rentre à moi comme ça. Aujourd'hui, parce qu'il y a un cancer à l'école là. Les maîtresses même n'étaient pas sûres. Allez, toi, la réunion, tu ne pouvais pas parler là, c'est toi qui danses. Et dit, Jésus m'a guéri. Je vous ai invité, vous avez négligé. Moi, Jésus m'a guéri. Je suis guéri. Gloire au Seigneur. Elle était malade la début. Avec le Dieu soirée, elle se sent correctement très bien. Jésus a fait son travail. Que Dieu